Dans tout temps studio plateforme là, li déjà marqué midi, c'est l'heure pour nous informer toutes amis fanatiques nous yo sur toutes nouvelles qui déjà fait actualité à pendant première partie journée mardi 22 août 2023. Namikoa pour présenter édition nouvelle ça, zami ou serviteur. Merci Dieu, toute équipe là à la One Baden nous déjà motivé et mobilisé pour nous retransmettre pour le journal Gazette Créole qui passait sur Radio Vision 2000. Mais bien avant, nous connecter avec salle nouvelle là, nous gagnons des problèmes techniques. Permettre nous remercier toutes amis fanatiques qui permettent travail là et possible. Merci pour support, merci pour collaboration, merci de ce que vous choisissez nous pour capable informer, merci pour fidélité et patience. Il est midi. Vous êtes un meilleur besoin de mieux. Ça a passé en Haïti, à tous côtés sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, le journal qui apprend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte votre bordel, laguez ou dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi Radio Vision 2000. Mardi 22 août 2023, madame, monsieur, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le deuxième sortie journal la Gazette Créole pour ce maintenant. Mais quelques points nous pourrons développer dans le journal. Haïtien bas menace la tempête tropicale Franklin, capable d'avancer des bonnes matières dans le bassin Caraïbe là. Mais seulement si tu as un changement, eh bien, Haïti, pays a dû commencer et sentir gros effet tempête ça à partir de mercredi dans le grand sud pays a d'après prévision unité hydrométéorologique d'Haïti. Fait sauter matin Franklin t'a doué bail en pile la pli avec en pile vent sur grand sud pays et puis dans l'après-midi dans tout pays d'après et unité hydrométéorologique d'Haïti qui lance une alerte jaune sur tout pays. Délégation pays Kenya arrivé dimanche passé à Port-au-Prince pour évaluer situation sécurité pays a rencontré hier lundi à gouvernement haïtien au conseil de transition au état-major police nationale là à corps diplomatique là d'après note la primature en bien mission évaluation et exploration ça a fait dans l'idée pour déployer une force multinationale qui pape soutien dans ONU Kenya proposé tête li pour diriger dans l'idée pour résoudre gros crise sécurité gang examio mette à tout le monde qui a supporté yo en dans pays a gagnon urgence pour démarche ça qui visait porter une assistance internationale pour porter solution à problème gang examina d'après ancien diplomate et juriste Pierre Antoine lui d'après juriste là présence en mission évaluation Kenya dans Port-au-Prince, c'est un gros avancé dans le déploiement force étrangère. Ça, gouvernement haïtien t'a demandé. Centre analyse et recherche dans droit monde mandé pour mettre campé une structure coordination pour monde qui courait quitter la caillou pour action gagno et puis qu'elle réfugié dans 20 sites. Il mandé structure coordination ça doit gagner un plan action clair et puis efficace d'après nouveau bilan cadre fait sauti violence sans gang grave dans fait dans Carrefourfeuille pendant deux dernières semaines ça yo la cause 31 monde mouri parmi yo 13 boulets tout vivants et puis 8 disparaître. Famille Pierre lui au pour continuer à supplier Ravisseyo pour libérer copropriétaires et les pluriels là qui n'a mené depuis plus passé deux mois. En bien bandit kidnappé Pierre lui au pont 20 juin passé. Et malgré famille, bayon premier somme l'argent, il pour jamais libérer le côté famille dit le gros qui a sauté pour état santé victime. Étudiant dans l'université publique dans Balatibonite dans Saint-Marc, te prend la rue ailleurs lundi pour dénoncer assassinat camarade Peterson Barthélémy en baba la gang griffe non ça vient 16 août passé dans mon pays mais protestataires ont profité pour encourager commissaire gouvernement c'est Macla Benson François pour assumer responsabilité là rete broche n'a tonné pour développement pour ça yo. Présente au journal ça Benjo Pierre a fait mon œuvre technique économique quoi c'est Léon Cœur Civil. Bonsoir Benjo, bonsoir tout le monde.
Une autre fois encore, yo bonsoir pour nous tous, bienvenue dans le développement premier partie journal là, ici avec un dossier météo, on a commencé premier partie, côté Haïti, en bas menace, tempête tropicale Franklin, qui a avancé, bien bon des matins ça, dans le bassin Caraïbes là, mais seulement si tu as un changement, pays a dû commencer à recevoir gros la pluie à vent d'ici demain mercredi, d'après prévision unité hydrométéorologique d'Haïti, fait sauter matin, mardi 22 août là, et dans ce sens ça, en bien, unité hydrométéorologique d'Haïti décrété yon alerte jaune sur tout pays et puis mandé population pour être vigilant n'a pas invité au côté explication Chrisnet Saint-Georges. N'a pas salué chaque monde qui a bien chance en temps des bulletins auditeurs auditrices téléspectateurs monde qui sur réseaux sociaux tout ça bulletin spécial numéro 10 pour mardi 22 août 2023 vigilance jaune plan national gestion risque à désastre tempête tropicale Franklin localisé matin à 8h latitude c'est 14.6 nord longitude c'est 70.7 ouest soit à environ 420 km dans partie sud Santo Domingo vent accompagné c'est 85 km/h déplacement c'est ouest à 5 km/h, pression minimale lycée 1002 hectopascal. Nous avons observé sous pays d'Haïti un temps qui gagne nuage sous région sud là et des possibilités d'activité la pluie pendant la journée. Prévision pays d'Haïti par rapport à tempête tropicale Franklin, matin à 8h, tempête tropicale Franklin a déplacé lentement sous la mer Caraïbes dans direction orientale, les localiser à 420 km dans partie sud Santo Domingo avec un déplacement ouest, et bien il est capable de monter pendant journée vers direction nord. Selon dernière prévision trajectoire, et bien sans tempête tropicale Franklin t'a doué affecter toute péninsule sud pays d'Haïti à partir de demain mercredi qu'a venir là pour ensuite li remonter un petit jour plus sous République Dominicaine d'après plusieurs modèles de prévision yo et bien ça a montré que a bien gros la pluie qui lié avec perturbation ça après elle fin remonter un petit jour plus sous République Dominicaine gros la pluie gros vent sans attendre gros la mer. C'est ça l'a déversé pendant le pas passé dans zone ou du moins péninsule sud pays à partir de mercredi qu'a privé là et la privé généraliser ça dans tout pays. Entre-temps, unité hydrométéorologique dans ministère agriculture ressources naturelles et développement rural de concert avec direction générale protection civile bon côté semana bon côté secrétariat permanent cap gérer risque avec désastre dans plan national gestion risque avec désastre kembe aujourd'hui mardi 22 août 2023 à 8h matin, niveau vigilance jaune qui veut dire risque, impact, intensité faible à modéré face à menace, gros la pluie, gros coup de vent avec risque pour terre à déboulonner, tomber en bas avec la mer lui-même qui est capable de quitter côté habituel, avec terrain cap glissé, inondation, c'est tout ça, il est capable de déverser sous passage, l'aile rivée dans la péninsule sud pays, en façon pour capable de river tout dans tout pays. Secrétariat permanent cap gérer risque avec désastre, avec l'unité hydrométéorologique, mandé au officiellement avec population haïtienne nan, pour continuer à attendre tout bulletin qui a diffusé moment ça et avant et après passage système nan yon façon pour capable d'un plus bon comportement. Consigne pas changer, rete vigilant pendant n'a continuer informer sous évolution phénomène nan, tant des bulletins qui a sorti dans UHM à travers média yo, à travers réseaux sociaux yo, communiquer direction générale protection civile a mettre dehors avec semana. Vérifier réserve nécessaire nou yo manger de l'eau bougie pile médicaments vérifier souple si ma radio nous gagne pile éviter aller en longue distance monter tête molle aller côté gien de l'eau contingent loin rester tout près de préférence pas prendre bateau pour nous aller côté qui loin pendant moment ça c'est toute consigne ça yo nous prodiguer dans bulletin spécial numéro 10 pour jeudi mardi qui c'est 22 août 2023 c'est avec madame Saint-Georges Chrisnet qui t'a présenté l'information ça n'a prêté disponible dans les heures qui viennent n'a gagné l'autre bulletin encore concernant évolution tempête tropicale Franklin. Ou t'as coûté précision Chrisnet Saint-Georges dans l'unité météorologique d'Haïti qui t'a baillé plus de détails sous et tempête tropicale Franklin qui a avancé sérieusement sous pays. Côté il expliquait tout et ça y aura une prévision en pile court la pluie avant et pays qui a connu à partir de demain mercredi et puis il a décrété alerte jaune sur tout pays et puis mandé population pour être vigilant. Nous pourrions parler l'autre point dans le journal là c'est dossier et
libération Pierre-Louis Opon, côté que famille Pierre-Louis Opon continue à supplier kidnapper yo pour libérer copropriétaire le pluriel là après deux mois, après plus passé deux mois, les gendarmes bandits en bien ont été kidnappé Pierre-Louis Opon 20 juin passé et malgré famille bayon premier et l'agent dit toujours pour dire toujours pour qu'on jamais libéré la famille fait qu'on est les gengos qui a sauté pour état santé victime non famille Opon dit par contre ça pour le faire encore côté il était déjà lancé plusieurs messages dans ce sens ça mais grande soeur Pierre-Louis Opon Justine Opon est supplié et pendant plusieurs fois kidnappé pour libérer frère à travers divers messages préenregistrés pendant après appelé il y a un article qui publié dimanche passé sur le site web télé pluriel dans ce sens ça ben et madame Pierre-Louis Opon collaboratrice nous Marie-Lucie Bonhomme Opon les mêmes tout est supplié et kidnappé yo pour yo prendre conscience et libérer et Marie-Lucie Pierre-Louis Opon il était fait et déclaration ça dans 16 juillet passé à pendant un marche qui était organisé pour réclamer libération Pierre-Louis Opon Justine et Marie-Lucie souligné famille déjà fait en pile gros effort dans l'idée pour satisfaire exigence kidnappé yo pendant lui fait connaître tout yo pas capable encore yo arrivé dans limite yo et yo trouvé dans impossibilité pour yo répondre avec gros somme l'argent bandi yo exigé nan mais yo mais souffrant ça famille pas ka que belle encore timon yo inconsolable n'a supplié ravisse yo pour prendre pitié et libérer frère moi Pierre-Louis Opon d'après Justine Opon. Gagné gouvernement haïtien yon au conseil de transition au état major police nationale là à corps diplomatique là qui rencontré hier lundi 21 août là et délégation kenyane pour yon premier et pendant premier visite li dans pays d'Haïti délégation kenyane gen la dan 10 moun qui rivé dans pays d'Haïti dimanche 20 août passé pour yon première évaluation situation pays d'Haïti sous dans l'idée pour garder qui si pour kabay pour renforcement capacité police nationale là et Jean exécutif haïtien te mandé ça dans mois octobre 2020 et pour ministre Ariel Henry après renouveler demande ça dans mois juin 2023 dans une lettre il était envoyé par secrétaire général Nations Unies nous là dans pays pour nous évaluer besoin police nationale là puis bien comprendre situation et puis faire tout ça possible pour porter une aide par peuple haïtien c'est une déclaration chef délégation kenyan ambassadeur Georges Orina qui est directeur général affaires bilatérales et politique ministère affaires étrangères à diaspora Kenya pour ministre Ariel Henry t'a bien expliqué une fois l'autre fois encore demande pays d'Haïti pour appuyer police nationale d'Haïti pour appuyer police nationale là mettre sécurité sur tout un pays et puis permettre tout le monde avec bien circuler en dans pays un bien et leçon nous et prend pendant une mission qui était passée déjà dans pays à permettre gouvernement à communauté internationale là gagner une autre approche et puis à travailler pour une force multinationale qui puis bien adapté à la réalité là dans l'idée pour supporter et effectif PNH là et puis permettre Haïti il y a une force police qui pi bien qui capi bien faire face avec nouvelle forme de criminalité pendant la continuer coopérer avec BINU délégation kenyane et rencontré dans pays New York avant de rentrer dans pays d'Haïti pays à groupe yo qui travaille pour trouver une solution à crise sécurité dans pays d'Haïti yo bay gouvernement garantie tout qui fait partie et pays ça yo comprendre en demande pays d'Haïti et puis estimer gagner une urgence puis mettez bout à situation ça qui paralysait fonctionnement pays et qui mettait en péril et la vie citoyen yo et bien délégation kenyane qui dans pays jusqu'à demain mercredi a prévoit rencontrer une autre fois encore état major police nationale là pour et avant yo gagner après ça il y a gagné une journée de travail avec premier ministre Ariel Henry pour un débriefing de mission yo cap privé dans bout yo gagné une nécessité pour ou bien une urgence pour démarche ça qui visait porter une assistance internationale pour porter solution à problème gang examio d'après ancien diplomate et juriste Pierre-Antoine lui d'après lui-même présence mission évaluation kenyane dans Port-au-Prince c'est un coup avancé sous route pour déploiement force étrangère Jean gouvernement haïtien te mandé ça en côté Pierre-Antoine lui. Oui, c'est une grande avancée. C'est pas tant qu'il y a un gain pour perdu, c'est pas tant que les Américains ont quitté le recevoir de l'aéroport à l'ambassade bien que gain pour perdu. C'est pas tant le gouvernement haïtien a gain pour perdu.
avec le niveau de souffrance qui vient dans le pays à la Gounia, donc une urgence absolue, et aussi pour l'autre échéance, dans 10 jours. En fait, le 1er septembre, les États-Unis assurent la présidence du Conseil de sécurité par rotation encore, parce que chaque mois, bon pays qui assure la présidence là, qui va payer, qui préside le Conseil de sécurité, et le sens de l'initiative, le contrôle et l'agenda du Conseil là. Donc, Américains ont même avant que la présidence soit finie, que bon résolution qui prend, qui permet une force multinationale et ancrée ou bien commandée par le Kenya, qui a capté plus le contingent par là. Donc, urgence dans la demeure, les Nabgadé Matissan, les Nabgadé surtout Carrefour-Feuille, les Nabgadé tout côté, que le peuple a souffri, le pays a souffri, le bazar Tibonite, les Nabgadé 5 départements qui pratiquement, qui, enfin 4 départements plus l'ouest, dans la péninsule sud, au Pakal dans le nord, au Pakal à l'est, maintenant la mer à Gemandi, business Paka et comme marchandise voile dans l'entrepôt. Donc, situation grave, Haïti a somalisé et la communauté internationale n'a pas capable d'être indifférente, donc il y a une urgence dans la demeure. Maintenant, délégation Livini, qui ça travaille, délégation d'après Olta doit consister. On dit d'abord qu'il y a un gros travail qui fait déjà, parce que vous rappelez que les Canadiens ont fait une évaluation de situation. Ils ont même fait une évaluation aéroportée, ils ont même fait une évaluation avec un circulé dans l'espace aérien haïtien, qui a prendre des renseignements, qui a essayé de comprendre, de cartographier les zones qui sont assez géo. Les Canadiens ont même un navire dans la mer, dans la baie de Port-au-Prince, là, regardé. Et je connais que certainement la police, malgré toute velléité qui est prêtée à la police, comme quoi ils n'ont pas de moyens ou bien ils n'ont pas capable, la police a un cerveau là-dedans. Je connais la police qui a une cartographie de situation. La police a une connaissance démographique, une connaissance sociologique, une connaissance de l'aspect économique, une connaissance de l'aspect social, de l'aspect politique de la situation, que la partager à Kenya. Donc, une raison fait ces 3 jours seulement après, c'est parce que bon travail qui fait déjà sous question ça. Donc, c'est sûr que Kenya a toute information qu'il a besoin et pour y aller, pour y faire un rapport par rapport, n'est-ce pas, à la menace, au moyen nécessaire, si l'objectif là c'est rétablir l'autorité de l'État et la libre circulation des personnes et des biens, pour faire cesser ces violations massives de droits monde qui gagne dans le pays. Donc je vais le dire, mais ça n'a besoin pour aider la police nationale d'Haïti pour faire travail là, mais moi je voulais ajouter tout pour aider les forces armées d'Haïti, parce que le secrétaire général Antonio Guterres présenté à quoi par le Conseil de sécurité, il dit, il croit que Haïti a besoin d'une force multinationale non onusienne, qu'il y a apporté le volontaire pour le faire ça. Mais, ce que le général a dit, l'a besoin tout pour un accompagnement militaire. Donc, nous reconnaître que Bagala Paka seulement pour une situation de police. Au tap côté déclaration diplomate avec juriste Pierre-Antoine Luire. Pendant le tap réagi sur l'arrivée mission kenyana dans le pays d'Haïti, dirigeant parti Unifos la Paul Denis, et l'autre fois encore dénoncé un vrai complot contre le pays pendant l'accusé acteur dans la communauté internationale là, qui ont parti dans l'oligarchie haïtienne. Ancien ministre de justice et sécurité publique là, dit pas espérer un résultat positif. Bon côté intervention force étrangère sous et leadership Nations Unies dans le pays d'Haïti, en côté Paul Denis. L'homme, c'est des Africains qui viennent en tête en prenant le multinational. Ça fait me songer à tous nos liens en prenant avec l'Afrique. Mon gars, je suis dit que c'est son autre moi. Cependant, l'emfine dit ça. Il y a venu sous qui bagne. C'est les Nations Unies qui a brouillé. Mais nous, on est déjà comment, au début du siècle, il y a une mission des Nations Unies qui vient là avec pour objectif professionnaliser la police nationale, pour y créer une situation de paix, de stabilité. Il y a fait 13 ans dans le pays. Hein? Là, on quitte le pays, puis mal que j'ai été joué. Alors, je dis à la, si on dit, principalement, Kenyan qui a venu là, et sous le couvert des Nations Unies, pour venir, je ne sais pas encore quelle sera leur mission exacte, moi, je me pose toujours la question, m'arrêter, m'abgader, parce que chaque chose de l'an de l'eau chaude, les lois de vous faites, du coup, après 13 années, on prend des milliers de monde venus, ministres qui viennent dans le pays pour accomplir une mission, là, y aller, on quitte le pays à plus mal. Est-ce que ça ne va pas se reproduire la prochaine fois? Moi-même, d'arrêter, pour une fois, que le pays a, nous pensons à chercher des solutions à l'interne. Ça gagne là, il n'est pas au-dessus non, de capacité pays a pour nous régler. Là. Il n'y a pas de volonté pour nous régler. Là.
Et on doit dire aussi qu'il y a des gens tout puissants au niveau de l'international qui ne veulent pas que PIA rentre dans une ère de stabilité. Il y a un complot contre ce pays. Il y a l'international, tout particulièrement les États-Unis d'Amérique, une grande partie de l'oligarchie qu'on appelle l'oligarchie la plus répugnante, et puis il y a une kyrielle de politiciens qui mettent ensemble pour finir le pays. Délégation Lila dans le pays, la peut discuter avec l'autorité pour lui préparer le terrain, pour venir préparer éventuelle arrivée force et multinationale ça, ou même ou pas attendre rien d'abord de déléguer ni tout, ou pas appuyer pour gagner une force multinationale pour aider à résoudre des crises de sécurité là notamment. Moi je dis que international et lui partager avec des forces nationales responsabilité de sa gagne dans le pays. S'il partage responsabilité avec des forces nationales, et s'il lui-même lui a envoyé une force, moi-même, ça n'a pas qu'à croire avec moi que pour avoir un bagage de bon qui fait pour le pays. Naturellement, nous trouvons une situation côté. Les gens qui sont en charge de ce pays, ils ont lavé les mains, ils ont dit pas capable. Ce qu'il fallait faire pour mobiliser les forces nationales pour nous combattre phénomène de banditisme. Ça n'a pas intéressé pour y faire. Les populations ont levé le campé, lui dit lui-même, livre les bails concours, on prend à la police nationale pour que régler définitivement les problèmes de banditisme dans le pays. Il y a couru derrière et on voit des ambassadeurs très rapidement qui prennent position. Attention, on est en train de violer les droits de l'homme. Alors, les droits de l'homme, non, c'est droits bandits, oui. Pour continuer à assassiner le monde, pour continuer à violer, pour continuer à détruire les vies dans ce pays, c'est eux-mêmes qui ont droit. Mais je dis et je répète que situation ça qui vient là, nous avons la possibilité de régler ça nous-mêmes. On n'avait pas besoin de faire appel à ces gens-là. On t'a écouté déclaration ancien ministre de justice Paul Denis. C'est même réaction beaucoup de Dr Jean-Hénold Buteau qui dit le patin trop gros bagaille beaucoup de mission ça pour Paul Alternative Socialiste qui fait qu'on est l'été neutre quand concernant éventuel déploiement d'une force multinationale dans le pays. Il a estimé toutefois chef gouvernement provisoire Ariel Henry pas gagné de légitimité pour faire une demande comme ça beaucoup de communauté internationale là Jean-Hénold Buteau. Bon, ça le caractère, nous serons rentrés parce que la délégation ça devine planifier très probablement prochaine arrivée troupe plus c'est eux qui prennent tête troupe. C'est important pour tout le monde qui est politique, quand on a une responsabilité peut-être pour moi, aider la population en général, aider la communauté nationale là, comprendre l'enjeu, comprendre l'issue et tout. Ça me dit par là, c'est que je n'ai pas de position dogmatique sur la question de participation étrangère dans un problème, surtout ce problème-là, concernant la vie citoyenne. Je pense que l'État très irresponsable de ma part pour me donner une position dogmatique pour me dire ah non, ça va dire tout. Ou bien pour me dire ah oui, il faut vite, vite, nous besoin de ça, vite. Je ne pas vouloir une position dogmatique. Moi, je veux que la position moyenne, nous avons une question pour nous poser avant. À savoir, intervention ça, assistance ça, qu'est-ce qui m'en dit, qu'est-ce qu'a baillé, dans quelle conjoncture l'a fait, et nous-mêmes en tant que citoyens, qui règle d'engagement gagné, etc. etc. C'est-à-dire, première question, hein, qui est-ce qu'a baillé assistance là? C'est pas même bagaille si Jean ou bien Paul baillé assistance là. Parce que c'est pas même bagaille, c'est-à-dire que l'on des politiciens, ou politiciens PHTK ou bien politiciens actuels, qui sont des opportunistes, ou bien SDP, baillé ça, ce sont des opportunistes, ils viennent régler les affaires. Yo. Donc, moun ça, yo, c'est pas intérêt la population et pas qu'on est qui ça des capables. Bon expression espagnole qui conduit comme ça que puis on peut manger les sauvetages qui vient plomb la donne. Ou bien doit prendre une solution et puis solution rien doit plus mal passer problème. Là. Mais le constat pour capable bailler réponse à ça, c'est pour capable nous dire dans quelle conjoncture. La conjoncture actuelle, c'est-à-dire comment un monde qui n'a pas aucune voix, qui n'a pas gagné parlement, il met tout côté de pas élu, comment le fait? C'est comme si c'est une déclaration de guerre, bien sûr, entre guillemets, c'est pas même bagaille, mais pour solliciter intervention. C'est ça que ça me dit, on n'a pas une position dogmatique. A priori, rien doit compte mon bagage qui a aidé, mais une chose est certaine, c'est pas qu'à faire dans le contexte côté que qu'on seul monde qui prend une décision comme ça. Son décision qui a dû gagner une certaine forme, pas d'unanimité, mais une certaine forme de consensus quand même là-dedans. Au tap côté déclaration Jean-Hénold Buteau, une force intervention Kenya a dirigé par Alvin résoudre des problèmes de sécurité dans le pays d'Haïti d'après responsable espace mobilisation nationale là en bain maître Marc-Antoine Maisonneuve minimiser visite exploration délégation Kenya non à Port-au-Prince il fait connaître ses responsabilités et situation chaotique qui gagne dans le pays à communauté internationale la mété à États-Unis sitôt États-Unis à Canada et puis pouvoir en place là qui la cause pays arriver
dans sa dit là en côté Marc-Antoine Maisonneuve. Cette situation d'insécurité est vraiment épatante, extrêmement catastrophique. Dans cette ambiance catastrophique se trouve considérablement l'implication d'une frange de la communauté internationale et celle de ce gouvernement. Sans ambassade des États-Unis, la France, Canada, l'autre encore, qui mettait campé en Haïti, structure syndicale ça, qui est les groupes là, et puis qui a fait des faits, qui après que vous finissez nommé Ariel Henry comme chef suprême, et puis au même moment, on va dire, mais ça pour faire. Gangsteriser pays, il faut que nous mettions pays sous l'occupation, il ne faut pas trop nuire aux gangs qui gagnent des âmes là, mais il faut pas trop emmerder kidnapper, il faut que nous mettions population en situation tellement précaire, côté, il faut que vous courriez aller quitter pays ça. Parce que pas oublier que les bagailles ont besoin de régler là. De l'intervalle, maître, que gagnent en délégation kenyane qui. Dans le pays là, pas oublier, il a été dit, il est prêt pour prendre tête en force multinationale dans le pays d'Haïti. Et vous voyez une délégation qui là dans le pays là, qui ça nous attend de délégation ça et qui j'en ouais Kenya en tête en force multinationale en Haïti. Bamdo, ouais, cette question, elle est très complexe. Parce que réponse pour la question ça, l'a comporté plusieurs volets. Premier volet pour nous, la réponse nous doit bailler par rapport à la question ça. On a mis le peuple haïtien à genoux. Ils ont distribué les âmes par-ci par-là, ils ont kidnappé par-ci par-là, ils ont assassiné par-ci par-là, moun yo faible. Mais finalement, le peuple haïtien se voit dans l'obligation de solliciter l'arrivée de cette force d'occupation. Merci à toutes les amis auditeurs, à toutes les fanatiques qui te prennent et t-shirts bio puis t'es capable d'informer avec gros plateforme ça, plateforme Maman Pemba, voilà Kaye. Nous comptons pour nous t'es capable ensemble avant, on a remercié pour fidélité, on a remercié pour patience. Bien avant que nous mettions un thème définitif à édition. Nouvelle ça, nous pour la fond voyager garder pour nous qui ça journal le nouveliste publié pour jeudi mardi qui est 22 d'août 2023. La délégation kenyenne poursuit et sa mission d'évaluation en Haïti. Combien y a-t-il de policiers au sein de la police nationale et quoi font-ils? Terreur en Haïti, la police nationale d'Haïti mobilise les unités spécialisées. Le Kenya évalue politique et société civile cherche des échappatoires. Trump confirme sa comparution jeudi devant un tribunal d'Atlanta. Les États-Unis autorisent un vaccin pour femmes enceintes contre la bronchiolite chez les bébés. Violence, le cadre appelle à des interventions urgentes pour aider les déplacés. Le dilemme kenyan des Haïtiens. Donald Trump verse une caution au tribunal qui le jugera en Géorgie. Le collectif des partis politiques du 30 janvier favorable au déploiement des forces multinationales selon Clarence Renoir. Amnesty International profondément inquiet concernant le déploiement de la force de sécurité internationale en Haïti. Haïti sous la menace de la tempête tropicale Franklin. Après deux mois de séquestration, l'état de santé de Pierre-Louis Opon préoccupe au plus haut point. Trois infrastructures scolaires inaugurées à l'asile 2 ans après le séisme du 4 août 2021. Mondial féminin. L'Espagne, c'est le 3 du monde en battant l'Angleterre. Ça, c'est quelques parmi titres que le journal Le Nouveliste a publié pour jeudi mardi 22 août. Là, moi, content pour me temps, ça m'a veille. Je remercie et saluer toutes les amis qui t'ont suivi nous
dans tous 10 départements pays d'Haïti, ou même qui te connecté dans la diaspora, spécialement aux États-Unis, Canada, la France, Zami, Mexique, Brésil, Chili, yon façon spéciale, n'a saluer et remercier toutes les amis fanatiques qui connectent nous en République Dominicaine, ou même qui suivent nous Porto Rico, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, Curaçao, la Barbade, et bien, quel que soit côté sous la terre bénie ou te mette à Zouboudou, et bien, toute équipe là, nous te content rentrer la caillou et n'a remercié de ce que ou te ouvert porte ou te accepté nous rentrer pour nous te capable partager avec vous nouvelles qui fait actualité pendant la première partie journée ça. Merci à nous toutes, merci pour support, merci pour collaboration, merci ou te choisi nous pour capable informer, merci pour fidélité et patience. Passez une très bonne journée après-midi pendant que vous prend toutes mesures de précaution pour capable protéger tes tout. Pas oublier que tempête tropicale Franklin menace pays d'Haïti avec la République Dominicaine. C'est nous-mêmes qui pour prendre toutes mesures de précaution, mettre corps, c'est qui veille corps. Restez connectés, restez accompagnés nous, n'a pas tourné dans n'importe moment pour continuer informer.